Ah, bonjour à tous, c'est Sky Galaxy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Paper Mario. Non, je vais vous laisser le générique. Ça fait plaisir d'être à nouveau sur la route ensemble. Bravo pour vous, en plus, et pour aller à un festival en plus. C'était écrit quoi sur l'invitation? Déjà, Origami Fest, je me demande bien à quoi ça va ressembler. En tout cas, je suis pressée de revoir la princesse Peach après un bail. On y est, Toadville, et voilà le château de la princesse. Mais où est passé tout le monde? On a arrêté le festival, quoi. J'espère qu'on s'est pas trompé de jour. Tu veux bien vérifier la date, Mario? Vous êtes gardiennement invité à l'Origami Fest de Toadville, qui aura lieu cette année, le XXOO. Venez, je vous attends. Peach. Non, on s'est pas trompé. Peut-être qu'ils ont pris du retard sur les préparatifs. Peach est sûrement au château. Allons voir là-bas. Nous y voilà, le château de Peach. Je vais aller garer le car, j'ai pas de monnaie pour la voiture. Désolé pour l'attente, Faro. Maintenant, allons saluer la princesse Peach. Ok. Alors c'est parti. On va voir la princesse. C'est un peu le code par ici, non? Et puis ça manque un peu de Toad. Tu trouves pas? Mamma mia, j'ai oublié notre cadeau pour la princesse dans le car. Je cours le chercher. Oh oh, la porte est verrouillée. Je n'aime pas ça. Comment je sors, moi, maintenant? Mais pas de panique, frérot.
J'ai l'habitude les souffler d'attendre que Mario vienne nous sauver, mais tu étais à côté de Mario. Ah, ou pas. Bon, pas de panique. C'est tout simple, il suffit de trouver la clé qui ouvre cette porte. Je m'en charge. Dis à la princesse Peach que je ne serai pas long, d'accord? À tout de suite. Let's go! Je sais pas si le son est bon, je vais voir après. Faire des petits ajustements. Ah, Mario! Quel plaisir de te voir. Je veux justement te demander. Ne penses-tu pas que le royaume des champions devrait se déployer? Qu'il lui faudrait un nouveau patron? Ah non? Et c'est à vous bien. Me chiffonne. Ne pourrait-on pas me partir à tout jamais? Bah ben non. Mais voilà. Encore une chose. Te plairas-tu à ma volonté afin de rendre le truc comme je l'ai fait? Mais de quoi tu parles? Ta réponse est d'une platitude navrante. Exactement comme toi. Bye bye. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mario? Toujours à te faire remarquer, hein. C'est pas banal d'entrer par le plafond. Toi aussi, tu es venu pour l'Origami Fest, le plus grand festival d'origami du royaume. Nous faire passer dans un faux cachot, quelle super idée, j'adore. Mais quoi? T'aurais pas vu Maître Bowser? Bah non. C'est pas dans ses habitudes de ne pas être dans nos pattes. Mario, alors, quelle bonne surprise! Je suis ton plus grand admirat. Je veux dire, j'ai toujours rêvé de t'aventurer. Oh là là, d'abord la princesse Peach et maintenant toi. Tout le gratin est là. Mais la princesse m'a fait une drôle d'impression. Quelque chose avait l'air de la froisser. Suivez-nous. On va où? On va où? On va voir un Toad? Oh, j'espère qu'on va voir un Toad. J'en ai encore jamais vu. Non. Pas toi. J'espère qu'on viendra bientôt te chercher, Mario. Si je vois un Toad, je lui ferai la bise de ta part. Mario, tu t'appelles bien Mario, n'est-ce pas? Tu veux bien m'aider? Dis, je suis coincé entre deux dimensions. Enfin, je crois, ce qui est sûr, c'est qu'il fait tout noir et que je ne peux à peine bouger. Oh, mais ça va, ne t'en fais pas. Je commence à trouver le temps long, c'est tout. Alors, si ce n'est pas trop te demander, tu crois que tu pourrais me faire sortir de là? Tiens, j'aperçois de la lumière. C'est un cercle de pouvoir, dit. Oh, je suis sûre que c'en est un. C'est une merveilleuse nouvelle. Enfin, je pense. Je n'ai aucune idée de comment on l'active. Tu vas trouver, je crois. Ok. J'ai l'impression que tu as réussi. Tu remarques un changement au niveau de tes bras? Bah oui. C'est que tu as libéré la puissance des bras multipliés. C'est un pouvoir très très ancien. Tu viens t'en servir pour me sortir de là. Tu vas pouvoir agripper quelque chose à présent. Oh. Et si tu
Ici tes nouveaux bras, dans ton cas leur tête, appuie sur R pour les remettre à leur place. Alors, incliner, faut bouger. Ah ouais, faut vraiment genre incliner. Ok, c'est bon. Ouah, je suis enfin libérée de cette affreuse prison. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'angoisse totale là-dedans. Oh, un mur. J'étais tout bêtement coincée dans un mur. Merci de m'avoir rendu ma liberté, Mario. À propos, je m'appelle Olivia. Tu dois sans doute te demander qui je suis. Et accessoirement, ce que je faisais coincé là, n'est-ce pas? Malheureusement, nous n'avons pas le temps de papoter. On ferait mieux de prendre nos jambes à nos cou. Enfin, à ton cou. Surtout parce que moi, j'en ai pas. Tu m'as fait une petite place dans ta page ici? Oh. Ok. On met 50 PV. Ok. Ah, c'est marteau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui écrabouille. Essaye d'appuyer sur B pour voir. Tu sais, je viens de penser à quelque chose. Je ne sais pas si mes idées seront toujours utiles, mais si jamais tu as besoin, tu peux appuyer sur X pour me faire pour faire appel à moi. Et je ferai de mon mieux pour te conseiller. J'ai tout de suite su qu'on allait former une chouette équipe, toi et moi, dès notre rencontre il y a 2 minutes. Ok. Laisse-moi voir. Oui, pas de doute possible. On est bien dans des cachots. Ils sentent tous la pierre humide, les espoirs piétinants. Oh, merci d'avoir appuyé sur X pour m'appeler. Ce sera mon tout premier indice. Quel conseil peut-être puis-je te donner? D'ailleurs, voyons. J'ai l'impression qu'on pourrait bien s'en aller. Il n'y a pas de sortie quelque part. Ok, j'ai fait. Attends. Ok, ça c'est pour prendre les objets. Ah, ça peut sauter. Attends, t'es derrière. C'est bon. Eh, bats les pattes! Mais aïe! C'est le petit. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Arrêtez ça tout de suite, bande de fripouilles. Ne touchez pas à mes sbires. Vous allez le regretter. Quelque chose rien d'affreusement dérangeant, n'est-ce pas? J'en ai fini avec ceux-là. Maintenant, autour du moustachu. Ah, il y a quelque chose que je dois te dire sans attendre. Tu vois, c'est bonhomme. Il y a une faute à bonhomme. À la démarche un peu raide, ce sont des orgues guerriers. Fais très attention à eux, Mario. C'est vraiment des méchants. Il faut pas qu'ils nous trouvent. De quoi ils pouvaient bien parler, à ton avis? Tu sais, quand ils ont dit j'en ai fini avec cela, comment ça finit? Ah, Mario, mon plus cher ami. Allez, détache ton tombosaure, veux-tu? C'est insensé de plier un roi comme un viga pour Star. Vous êtes un roi? Oh, c'est un honneur. Est-ce que tous vos cheveux sont des têtes sans corps comme vous?
plusieurs voiles, tout ce qu'il y a plus entier, petite insolente. J'ai des bras de roi, un corps de roi. Tu ne reconnais pas Bowser, le plus grand souverain qui soit? C'est cette bande de mal pliés qui m'a mis dans cet état. Dépliez-moi sur le champ. Bon, Mario, ton sbire recommence à me hérisser. Toi qui es raisonnable, tu vas me détacher, hein? Si tu étais à ma place, tu aurais aidé alors en théorie. Je t'aurais aidé alors en théorie, tu me redevais. En plus, si tu m'aides, je te dirai un secret. Alors, ça vaut le coup, non? Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour là. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Comme d'habitude, bah like et commentez, partagez, vous abonnez. On se retrouve pour la deuxième pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Bowser. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.